Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui soutiennent Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. C'est un autre plaisir, une autre occasion. Moi, tourner sur la plateforme Parler Haïti avec une autre émission. Moi, salue tous les amis qui branchent Radio, à tous les fanatiques inconditionnels, Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous. Je vous dis à la, qui c'est 27 juin 2022. Eh bien, émission ça, nous allons focus sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Président parle exactement yon l'année. Président parle yon l'année. Après yon l'année assassinat président, moi yon tout assassin yon dans la rue. Tout assassin, auteur intellectuel criminel dans la rue. Yon prend prétexte, yon sensible, yon prend prétexte, yon demande justice pour président, tout dans la rue. Ma répéter ça encore. Auteur intellectuel qui tue président, yon tout dans la rue. Yon prend pause, yon demande justice, yon prend pause, yon c'était fait président, si c'est là, yon tue président. Même chaîne Radio Parler Haïti, c'est responsable Radio ça, qui c'est Radio Parler Haïti. Moi-même, moi dis, moi voulais justice pour président Jovenel Moïse. Mais yo tué président, kounya la, nèg yo prend pause, y a pas de justice, menti, monsieur. Nous tué président, même voulais justice pour président, fin de président, ça passe, nous pour un pays, nous faisons pas passer misère, gagne pile moun, kap travail, fonctionnaire public, nous pas jamais payer moun yo. Et puis après nous finissons le président, nous ne savons pas, jamais tout yon goud. Gonse de ti marchand, c'est président qui compte prêter ti marchand sa yo kop. Depuis nous finissons le président, ti marchand sa yo, pas jeune en yon manger. Il y a pas assez misère. Kounya la, moi même dans la chaîne Radio Parler Haïti, je ne vais pas quitter le dossier ça. Je voulais justice pour président Jovenel Moïse. Fanatique Radio Parler Haïti, je voulais justice pour président Jovenel Moïse. Eh bien, je vais vous parler sur question, nous allons retourner sur le dossier sur question assassinat. Et nous allons gagner un frère nous, Midji, Pierre Richard, qui va faire un petit parler tout sur le dossier ça, et quand il va l'expliquer, et comment sécurité et président est livré. Eh bien, nous gagnons Dimitri Hera. Alors, on va parler sur cette question ça pour ne pas retourner sur Dimitri Hera. Dimitri Hera, qui est dans le pénitentiaire national, eh bien, il s'est déclaré, il voulait tuer. Ok? Dimitri Hera, il s'est dit, il voulait tuer, il s'est dit, la ville en danger dans le pénitentiaire national. Monsieur dit la ville en danger dans pénitentiaire national. Monsieur fait plusieurs voix déjà, il parlait sous ça. Parce que monsieur dit, il a fait un pile manœuvre là pour tuer dans pénitentiaire national. Pour qui ça? Vous le parlez? Nous va connaître. Madame, monsieur, bagarre la triste dans le pays d'Haïti, bagarre la triste. Il a fini le président, il a dans la rue, chaque 7, il a proposé faire type 8, demander justice, plutôt menti. C'est même ça, le président. Ariel Henry finit le président. Ariel Henry, monsieur, allons faire lâche, c'est fait pas ici. Monsieur, vous ne pouvez pas ici faire Ariel Henry pour le faire. Ariel Henry pour le. Non, moi, pour le venir là. Ariel Henry pour le gagner. Non, oui. Fais pas ici, abdomen, monsieur. Regardez qui j'ai aux zombies, fion, pep. Oh, fais pas ici, m'connais, vous ne pouvez pas ici, Ariel Henry, fion, moun, Ariel Henry, fion, jovenel. Pour Ariel, notre pays, ça fait un petit smouché. On allez. Voici comment Jovenel Moïse a été livré par sa sécurité. Les deux vidéos qui disent. Nous parlons de plus de détails avec frère nous, Pierre Richard, pour les détails, madame, messieurs, comment ça te fait? Parce que dossier, ça va oublier, ok? Dossier assassinat président, ça va oublier. Et moi-même, quand je dis ça, moi-même, tout coupable, tout le monde qui est dans le président, moi-même, je veux un ex-aéro en bas-code. Moi-même, je veux un ex-aéro en prison. Tout le monde qui est dans la réalité, il y a un propos. Ça, c'est petit. C'est un employé, au bras. Ça, quand je dis, c'est un employé. Je parle de haut intellectuel, gros patron, gros chabrac, qui payait pour tuer le président, tout dans la rue là. Et nous-mêmes, dans la chaîne Parler Haïti, nous demandons arrestation de l'extérieur rapide. Tout le monde dans la rue, il y a flané, et votre président, il a quitté un peuple dans la misère, il a quitté la famille président avec Donanzier, il a quitté le pays avec Donanzier, diaspora pas qu'à supporter, mais votre président, il a fait tweet, dans ce sens là, mafia, Radio Parler Haïti. Je vais te brancher, Pierre-Richard. Une vidéo sous assassinat Jovenel Moïse, qui voulait dire. Tout bagay. Dans toute attaque, bagay qui pi important, c'est l'effet de surprise. Qui effet surprise qui gagne? Trois machines, gros lumière, mégaphone, à plusieurs mètres de distance de Kaila, pas qu'à dire combien lié, qui a annoncé, qui a dit, monsieur, pas tiré, c'est DIE, opération a tiré sous nous, keep moving, ça veut dire continuer la guerre nous, et que, mais pas gagne effet surprise. Keep moving.
attiré sur lui. Il a marché dans le coup d'adou, c'est moins. Ou a dit c'est n'importe quand nous avons cette vidéo là, il a marché bien vague. Combien de fois nous avons militaire déployé comme ça? Ah non? Regardez encore. Regardez encore. Regardez encore. Tant, tant, tant. Jovenel Moïse, tant pour faire trois bagailles. Trois bagailles qui clés dans six circonstances pareilles. Premièrement, il y a pas autant le fait que vous avez pris un mégaphone, le fait que vous avez marché vaguement dans le métal arrière comme ça, le fait que vous avez pris trois marchés avec lumière. Yo ba sécurité Jovenel yo tant pour yo abriter, yo ba autant pour yo informer en matière de sécurité. Premier bagage qui est important, c'est prévention. Donc les sécurité Jovenel yo fin ou monsieur arrivé, ça veut dire fait normalement selon ça yo apprendre, selon formation yo, c'est abriter yo, informer supérieur yo qui yo même pral commencer vous backup et puis riposter. Sécurité Jovenel yo pas fait youn. Au contraire, dans la vidéo, nous avons des gens qui avec mégaphone nan, vont côté dire en anglais keep moving. Donc, l'idée que sécurité Jovenel yo, y a placé bocho, y a couru, quitté barrière libre pour venir entrer. Et dans le deuxième extrait vidéo, nous pas regarder là, ça qui même plus viral là, nous pas wel, les messieurs, les assaillants yo, rivés devant barrière là, pas gain aucune résistance. Et que vous entrez en dedans de Jovenel là bien facile. Ok? Il y a des gens qui courent dans cette machine, des gens qui couchent à terre. Personne ne peut dire si c'est un agent ou bien si c'est un civil, vous êtes quasi dans l'arrière et vous faites coucher. Regardez avec qui facilité, monsieur a entré en dedans de la cour à Jovenel pour nier. Et quelques secondes, la vidéo ça a duré 26 secondes, mais quelques secondes après, on dit 5 à 10 secondes après, vous allez commencer à tirer. Je vous ai dit tout à l'heure que mode, façon que assaillant, opéria et li facile pour sécurité Jovenel te repousse yo parce que et pas de aucun effet surprise. Ça c'est première erreur que service et commando ça a fait et qui montrait il y a deux bagailles, c'est soit son commando très amateur ou bien sécurité Jovenel yo, service sécurité Jovenel yo, yo te au courant que attaquant t'a pas le fait. Et théorie pam avec cette histoire de mégaphone, c'est un code. Mégaphone qu'après il dit, messieurs, c'est opération d'hier, pas tirer sous nègyo, et si nous tirer, y a tirer sous nous, et keep moving, continue à aller. C'est un code, comme quoi dirait, sécurité, président, t'es connu pour avoir une attaque, et que avec porte-voix et lumière, et bien, et projeté que capable de dire ça, t'es permettre qu'on est effectivement yo pral lagué. Sécurité Jovenel, sécurité palais, gagné un coordonnateur général. Yon moun qui en charge de toute unité yo. Mais en dans palais, en dans sécurité président, gagne deux gros unités. Première c'est USP, unité sécurité présidentielle, qui c'est nèg nou konn ka costume qui gagne oreillette qui toujours proche et président. C'est eux-mêmes qui les gardent rapprochés, c'est eux qui montent machine à président, c'est eux-mêmes qui ouvrent porte machine, c'est eux-mêmes qui postent devant bureau président, c'est eux-mêmes qui la postent devant chambre président, etc. Yo gagné une unité armée, une unité de combat qui accompagne eux, qui toujours proche eux, c'est 4 teams. Parce que si gagné une menace pendant que USP a évacué VIP, a évacué président avec famille, 4 teams lui-même là pour la goumer, pour la repousser adversaire là. Parce que pendant USP, monsieur a costume a évacué président, il pas normal en même temps pour y a goumer tout. Donc c'est peut-être ça qu'il y a 4 teams qui là pour goumer, repousser et ennemi avant que pendant que USP a évacué président. Mais avant d'arriver sous 4 teams avec USP, nous disons que c'est deux gros unités qui en dedans et système sécurité président. Il y a un autre qui est USGPN. Alors USPA c'est civil et Jean Raguel qui lui-même responsable. Et puis il y a 4 teams qui ont l'autre responsable. Mais il y a USGPN qui c'est Dimitri Erard. Dimitri Erard, responsable du SGPN. SGPN, c'est unité de sécurité générale du palais national. Lui-même, lui responsable sécurité périmètre rapproché côté président hier.
Et ça fait, nous, on voit au sous-champ de masse à traque manifestation, à faire opération de yon dans l'environnement palais, ou même, yon responsable sécurité périmètre qui est plus proche que le président y a. Donc, avant ou assaillant, rivé, pour nous, mais avec quatre teams. Premier affrontement, l'a fait avec USGPN. Donc, monsieur Sao, nous regardons sous vidéo là. Et assaillant, qui t'a entré avec porte-voix, avec lumière machine, notre machine, non? Premier unité qui était supposée abriter, voyer information à lui, ça veut dire communiquer, prendre des communications, relais supérieurs, soit relais 4 teams, soit relais ISP, relais supérieurs, c'est USGPN, et puis riposter, repousser groupe Nexayo avec un pile coup de balle. Peu importe ce que tu as dit, c'est dit hier, peu importe ce que tu as dit, pas question. Parce que, pas oublier, sécurité président, il y a une formation spéciale, c'est des gens que, dans la formation, ils sont censés endoctriner. C'est-à-dire, c'est des gens qui, psychologiquement, ont une forme de, si je peux dire comme ça, une forme de lavagement et cerveau, qui fait, côté que ils sont prêts, ils sont endoctrinés, ils sont prêts pour mourir pour président. Donc, avant, Assayant, ils étaient capables d'entrer dans la cour à Jovenel, puis ils commencent par affronter ensemble avec quatre teams, qui c'est la deuxième couche là, ils étaient supposés tuer toute USGPN qui était dehors, ou bien ils étaient supposés mourir, ça n'a pas fait. Ils n'ont pas tiré une balle, USGPN, qui c'est la première couche dans la sécurité, n'ont pas tiré une balle. Et avant même, nous arrivons à faire USGPN, nous sommes capables de poser des questions pour les gens qui connaissent entrer à président. La journée étant pour la nuit, toujours gagné une machine police administrative qui postait dans l'entrée Pèlerin 5. Deux heures sous la rue. Mon café ou 15 coffres, Thomas, c'est la boule tout le temps. Yo, elle, tout le temps, machine ça a, li posté deux heures. Qui côté machine ça a été? Est-ce que les assaillants ont appris à machine ça a pas là? Bien évidemment, moi, imaginez pas là, mais pas qu'on est. Ça, li fait partie toujours de sa prévention. Si on bagaille dans l'entrée président, policier ça yo, qui est en crème bleu généralement, tu as supposé prendre radio pour avertir un supérieur. Peut-être en tant que président ou bien dans le commissariat qui peut prendre un supérieur quelconque. Ça va fait. Maintenant, assaillant, prend un pot de voix, il y a dit c'est DIE, opération DIE, depuis qu'il a dit qu'on a fait opération là, qu'il président, personne ne connaît. Est-ce que DIE et pas fait opération là, président, sans président, lui-même, on ne peut pas autoriser et que, et dans la question prévention, pas supposé qu'il y a un appel qui fait pour les supérieurs, qui peut même supposer les et qui peut supposer l'ambassade américaine demander est-ce que dit vient faire opération là le président depuis qu'il a dit t'es vient faire opération à menacer pour tirer sécurité et président est-ce que ça te suffit pour faire sécurité USGPN qui était en première ligne sauver qui était barrière libre je ne pas regarder là là monsieur Andrea ça encore montre que son bagage qui était planifié et que c'est un complot il y a eu complicité des services de sécurité du président. On suppose que, nous disons encore, monsieur Okouri, les rives devant barrière, ils ont entré et en dans la cour encore, selon toute information, selon le rapport de juge là, pas aucun blessé dans la cour. Que ce soit bon côté assaillant, que ce soit bon côté service sécurité Jovenel qui est apparemment pas là. Soyez me dit nous, 5 à 10 secondes après, ils ont fini d'entrer dans la cour, une vidéo qui montre ça, nous entendons un pile balle tiré en dans la cour. Donc, monsieur, comment c'est tiré dans la croix, mais pas la boumer à personne. En matière de sécurité, ça qui passe avec Jovenel là, c'est une catastrophe. Nous sommes expliqués nous là, sécurité Jovenel était inexistante. Bien l'autre information qui va nous faire là, qui va nous faire comprendre comment le complot était grave et que le président a livré le Bayassayo qui est entré, qui sortit tête frette. Dans la sécurité président, tout le bagage montré que monsieur courit, il a quitté Jovenel pour contre lui. Et nous prenons saisi tant de ça. Ça, c'est pas information officielle, mais c'est information qui fuitait. Sorti dans un rapport juge qui t'a fait constat. Avant de dire ça, il y a un civil Jean Laguel, qui est responsable, qui est coordonnateur sécurité président. Ça veut dire qui c'est USP qui est un chef, qui c'est 4 teams qui est un chef, qui c'est USGPN qui est un chef, ils tout sous compte civil Jean Laguel. USGPN, c'est la troisième branche. Dans sécurité président. Je dis ça déjà. Premier, c'est USP, M. Akosumio. Deuxième, c'est 4 teams qui pour goumer. Et puis, USGPN, c'est première ligne de fond. Si on attaque pas aller, ou bien si on attaque le président, si on attaque le côté président, c'est avec un parce que c'est eux-mêmes qui respectent le périmètre extérieur côté président. Donc, chef sécurité, c'est civil Jean Laguel.
depuis que j'ai un job là, job responsable, coordonnateur général sécurité, palais national là, sécurité président, monsieur vient rete tout près qu'un président. Est-ce que nous connaît que coordonnateur et sécurité président, qui parlait de trois le président, l'arrivé qu'un président à 6h du matin? 5 temps après attaque là, 5 temps après Jovenel Define Balavel. Qui pigo preuve de complot? Qui pigo preuve de coup d'état? Auto coup d'état qui a fait encore contre président? Gé trois côtés dans le pays qui ont plus munitions. Palais national, académie, police là, avec Kaye président Jovenel Moïse. Bon, bien évidemment, je ne vais pas officiellement, je ne vais pas gagner. Donc, la Kaye Jovenel là, tu as gagné munitions pour service sécurité, le groupe avec MSNSAO jusqu'à ce que et backup est arrivé et me dit encore que je vais la situer à 5 minutes de commissariat Pétionville dans la nuit dans la machine parce que pas un embouteillage. Et le pire de tout ça, pendant que petit Claude Joseph qui c'est plus gros suspect dans le gros complot ça dit que tout le bagage sous contrôle, il a lancé 4 mandats, une pour responsable 4 team, une pour responsable USPA, une pour coordonnateur général sécurité par là qui c'est Jean et qui c'est civil Jean Laguel, et puis une pour responsable EGPN Dimitri Ra, 12-14 juillet. Alors que M. Sayo, c'est premier monde que l'État, c'est premier monde qui te doué fermer pour interrogation. Monde qui était responsable sécurité président, comment fait président mourir avec 12 balles et que pas une riposte qui fait. Ok, they say everybody do not shoot. They say they not our enemies, everybody do not shoot. Je dis, messieurs, si nous parlons opérateurs, on va tirer sur nous. This is a DEA operation. Ok, je dis, policiers, on continue de descendre, si on va descendre, on va tirer sur vous. Oh my God. Keep moving. I'll see you soon.